Chaque année avant Rosh Hashanah, nous lisons cette paracha de Nitzavim pour nous rappeler une chose. Atem Nitzavim ayom kulechem lifnei Adonai Elohechem. Rachechem, shiftechem, ziknechem, eshotechem, kol Israël. Vous allez avoir une nouvelle chance de changer votre vie. Vous êtes tous présents là devant Hachem. Donc, comment on va arriver à changer notre vie et finalement savoir choisir le bon chemin et ne pas gâcher notre existence. Et la suite est claire qu'il faut savoir suivre le chemin d'Akadosh Baruch Hu et ne pas suivre ce chemin, puisque eux, il s'agissait de gens qui ont vécu la culture égyptienne, de s'écarter de cette culture. En fait, ce que, comment on appelle ça ? Le principe est qu'on a un choix à faire. C'est-à-dire, en fait, ce que Hachem nous demande, c'est de nous occuper de notre Neshama. Et lui s'occupe de notre matériel, de notre existence, de notre corps, de nos besoins. Et non pas changer et inverser les choses et courir après la matière. Je pense que cette semaine, avant de continuer sur la paracha elle-même, celui qui a été un exemple parfait du bon choix est Zecher Tzadik Vekadosh Vracha, le grand rabbin de France, Rav Yosef Sitruk, qui est parti et qui a été enterré cette semaine, que avant de faire Ma'aliyah en 1976, j'ai eu l'occasion de voir le début de cette grande carrière. Et d'abord, je voudrais rappeler aux gens que ce n'est pas par hasard qu'il est arrivé à ce poste et que lui n'a rien cherché, mais que c'est Mina Shamaïm, c'est du ciel qu'on l'a pris et on l'a élevé. Il n'a pas couru après quoi que ce soit. Ce qu'il faut avant tout savoir, c'est que dans le programme de l'école rabbinique, je sais que c'était comme ça à cette époque-là, je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui, dans les 5 ans que était le programme, il y avait 4 ans à l'école rabbinique et une année qui était au choix des élèves d'aller faire une année quelque part d'études. Lui l'a faite cette année-là et il a choisi la yeshiva de Sheherit Yosef du Rav Nissim Toledano Zichrono Livracha, duquel il a beaucoup été inspiré et reçu d'influence. Mais j'ai entendu que déjà en étant à l'école rabbinique, il a toujours cherché à être authentique, sincère et vouloir vraiment servir Hachem de manière sincère. Quand il s'est rendu compte qu'on ne leur servait pas des produits laitiers qui avaient été surveillés, je sais qu'il a été parmi ceux qui ont protesté contre cela et bien d'autres choses encore sur lesquelles il s'est battu pour qu'il y ait vraiment, parce que ce n'est pas une carrière professionnelle qui va donner une paye, mais c'est une carrière de décider d'être au service d'Hachem. Parce que il y a malheureusement eu des gens qui, lorsqu'ils sont arrivés au croisé de chemin et qu'ils cherchaient à faire une carrière professionnelle, qui finalement ont opté pour cette carrière-là parce qu'elle allait leur assurer une paye régulière, des conditions, bref. Ils n'ont pas fait ça parce qu'ils ont décidé qu'eux voulaient sacrifier leur vie au service d'Hachem. Ce n'est pas le cas du Rav Sitruk qui, lui, Zichrono Livracha, a voulu se donner cœur et âme au service d'Hachem. Et comme il a vraiment été sincère, je vais vous raconter comment Hachem l'a fait monter. Il y avait dans la ville de Strasbourg un kollel qui avait été fondé par Zichrono Livracha, le Rav Yaakov Kohn, qu'on appelait Philippe Kohn, Zichrono Livracha, qui lui, après Aix-les-Bains, était parti en Eretz Israël, avait étudié à la Yeshiva de Slabotka, le Kollel Chazon Ish, et puis qui avait eu l'envie d'œuvrer pour la France. Il a vu la bracha des tzadikim de Bnei Brak et il avait ouvert un kollel à Strasbourg. Cette période du kollel de Strasbourg, moi je ne l'ai pas connue,
Mais je sais qu'il y a eu des problèmes qui ont fait que, pour éviter les histoires que certains cherchaient à faire au collège, il a décidé de partir de Strasbourg et il est allé dans une ville où il y avait malheureusement au moins 80% de mariages mixtes. C'était la ville de Marseille, la communauté de Marseille, qui était malheureusement en chute libre, qui était en train de, malheureusement, une grande communauté, mais qui était dans des conditions terribles, puisque il n'y avait pratiquement pas du tout d'éducation juive. Les cadres étaient nuls. Et naturellement, quand il a installé le collège là-bas, il s'est rendu compte de ce qui se passait et il a compris qu'il fallait à tout prix faire venir quelqu'un de valable qui sera à la tête de cette communauté, qui va la changer. Et c'est ce qu'il a fait. Et il avait connu justement, donc à Strasbourg, il avait connu le Rav Sitruk, qui était Rav dans une communauté, je ne sais pas laquelle. Et il s'était rendu compte à ce moment-là qu'il était le personnage le plus apte à être à ce poste, à la tête de cette communauté. Et Rav Kohn est allé voir à ce moment-là le grand rabbin de France, qui était le rabbin Kaplan, lui a expliqué la situation et l'a convaincu que le personnage qui était le plus apte à pouvoir changer les conditions de cette communauté, qui était malheureusement c'était un désastre, c'était de nommer uniquement le rabbin Sitruk. Ensuite, il a convaincu il y a eu des élections au consistoire de Marseille. Il a convaincu les nouveaux dirigeants qu'il fallait changer. Et donc, eux, quand ils ont voulu changer, il fallait l'aval du grand rabbin de France pour choisir un grand rabbin. Et le rabbin Kaplan leur a dit: moi, je donne mon accord uniquement sur le choix, sur le Rav Sitruk. Donc, si vous voulez changer, se débarrasser de celui qui était présent, qui malheureusement n'avait pas fait son travail, il fallait. Et c'est quelque chose qui était connu, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de Lashon Hara là-dedans. Le Hafetz Chaim le dit clairement, que lorsqu'un dirigeant ne fait pas son travail, on doit au contraire le faire savoir, parce que c'est une destruction. Et malheureusement, donc quand ils ont voulu changer pour à changer les choses, ils n'avaient que le choix de faire venir le Rav Sitruk. Et donc on voit, c'est comment Hachem l'a pris d'une communauté dans laquelle il était et l'a fait monter à ce poste. Et bien sûr, il a fait une innovation, il a fait venir un Dayan, chose qui n'a jamais existé auparavant. Rav Shimon Biton, Zecher Tzadik, Kadosh Baruch, qui était devenu le Dayan de Marseille, qui malheureusement n'est pas resté longtemps, qui était malade du cœur, qui est parti assez jeune. Et après, il avait fait venir le Rav Revivo, qu'il a ensuite suivi également à Paris. Et il a vraiment changé la face des choses. Parce que tout simplement, il a compris une chose, que nous avons, il y a deux choses, il y a notre âme et notre corps. Pour mieux comprendre ce choix qu'on a à faire, et c'est ça ce qui va nous diriger, nous aider à nous guider dans la vie de tous les jours, comment changer notre vie, il faut le savoir. Que quelqu'un qui physiquement n'est pas fort, mais qui a de bonnes tendances au business, qui sait faire de bonnes affaires, donc il ouvre un bureau et il commence à gagner de l'argent. Naturellement, craignant d'être agressé, il va choisir un garde du corps, quelqu'un de fort physiquement, mais qui comprend rien aux affaires. Donc finalement, celui qui va travailler dans le bureau, physiquement, n'a pas de force, mais va faire entrer de l'argent. Et celui qui garde l'entrée du bureau, qui lui, physiquement, est fort, mais n'a pas dans la tête les facultés d'agir, tout marchera très bien. Si on imagine qu'ils échangent leur poste,
ce sera un désastre, une catastrophe. Ce qu'il faut savoir, c'est que la richesse, la bonne santé, la vie, c'est Hachem qui les donne. Et c'est Hachem qui décide de ce qui va se passer. Par contre, ce qui concerne notre âme, Hachem nous demande à nous de nous en occuper. C'est-à-dire que nous, ce que nous devons avant tout chercher, c'est d'embellir notre âme, de s'appliquer à faire la Torah et les mitzvot. Et c'est ça ce que la paracha vient nous dire. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la paracha? Vous êtes devant Hachem, tous présents, même si c'est dans le futur. Et attention, Dieu vous a choisi pour son peuple, parce que vous êtes les descendants d'Abraham et d'Yitzhak et de Yaakov, qui eux ont su choisir ce chemin du travail de Dieu. Et vous savez que vous avez été en Égypte, et vous avez vu ce que c'est la culture égyptienne. C'est tout à fait l'inverse de la Torah. C'est-à-dire, on va faire un culte du corps, un culte des plaisirs de ce monde, et on va chercher à gagner de l'argent, et on va oublier le but de notre existence et de notre vie. Et chaque année, à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu nous réveille, nous rappelle que nous avons la possibilité de changer et de nous réveiller. Vous savez, je vous rappelle ce qu'a dit le Baal Shem Tov et le Shlach Kadosh également. Kol yom yotzel bat kol ma'achorev ma'chizet olam ha'beriyot shel Torah. Tous les jours, il y a une voix qui sort et qui dit malheur aux gens de la honte qu'ils font à la Torah, qu'au lieu de choisir le chemin de la Torah, choisissent ce mauvais chemin. Et la question est, si cette voix sort tous les jours et nous ne l'entendons pas, à quoi ça sert? Et comme le dit le Shlach Kadosh, et le Baal Shem Tov dit la même chose, notre Neshama entend cette voix. Simplement, il faut savoir, vouloir, entendre, écouter, se réveiller. Il faut se dire, ça suffit, ça y est, j'ai trop perdu de temps dans ma vie. Pour qu'on comprenne quel est le but essentiel de notre vie, alors on va changer, on va savoir choisir la valeur réelle, c'est la valeur des mitzvot. Choisir la valeur des mitzvot, imaginez-vous que Rabbi Levi Yitzhak de Bardichev, le premier soir de Soukhot, n'arrivait pas à dormir parce qu'il attendait impatiemment le matin qu'il fasse jour pour faire cette mitzvah du loulav et du etrog. Ou, comme le Ben Ishraï le dit, le soir de Pessah, on prend la matzah, il dit il faut l'embrasser, mishum hibub mitzvah, pour montrer qu'on aime les mitzvot. Et c'est ça ce que dit Rashi d'ailleurs dans Maseret Rosh Hashanah, pour le shofar qu'on répète. Il dit qu'est-ce qui va nous protéger le jour du jugement? Lorsque le Satan qui veut nous faire du mal, l'accusateur là-haut, s'il voit que nous aimons les mitzvot, il ne peut plus parler contre nous. Mais habevim et ta mitzvot, qu'on fait les mitzvot avec goût, cœur et envie. Qu'on doit faire un choix. On se prépare à Rosh Hashanah. Comment va-t-on se préparer? L'importance n'est pas quel vin qu'on va avoir à table. Rosh Hashanah est le jour du jugement. Il n'est pas le jour de jouissance. C'est un chag, mais avant tout c'est un jour de sérénité, où on sait qu'on est jugé, qu'on est devant Hachem. Comment va-t-on faire nos mitzvot? Avec quelle envie qu'on va les faire? Avec quel goût? On va se lever le matin de Rosh Hashanah au jour du jugement, se lever tôt et aller avec devant Hachem, parler, penser qu'à ce moment-là, on est jugé. Et ça, c'est un choix qu'on doit faire à tous les instants de notre vie. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? La matière ou la lumière? Ou le spirituel? Faire savoir faire son choix. Le savoir, ce n'est pas suffisant. C'est l'appliquer qui est important. Savoir s'engager et de se dire « ça suffit de perdre son temps ».
ça suffit de perdre son temps à des futilités et de se dire, il faut que je fixe des moments d'études de Torah, il faut que je fasse attention aux mitzvot. Je voudrais, à cette occasion, parler d'un petit détail de quelqu'un qui Baruch Hashem avance dans la Torah et vient de découvrir dans le Béni Shraï, mais l'origine vient du Harizal, que le Shabbat, au moment du Motsi, qu'il faut qu'il y ait 12 pains à table. Oui, selon le Harizal. Alors bien sûr, ce ne sont pas des grands pains, on fait des petits pains, et qui doivent être placés en forme de deux ségoles. Ça veut dire, je mets un sur l'autre, un à l'envers et un dessus, là, là et là au milieu. À côté, c'est-à-dire les quatre sont au milieu, et en diagonale, aux extrémités, il y en a deux et deux, donc de chaque côté, au total, il y en a 12. Alors, déjà, quand on fait cela, alors bien sûr, Shabbat, on est Shabbat, il nous a de réjouir le Shabbat, mais avant tout, on pense qu'on est en train d'honorer le Shabbat. On ne va pas les manger, les 12 pains. Mais alors, bien sûr, ceux qui ne peuvent pas en faire toutes les semaines peuvent consommer ce qu'ils consomment et le reste des pains les congeler et les réutiliser pour les mettre à table au moment du motzi. Bien sûr, compléter les 12 pains. Alors, bien sûr, la taille n'est pas importante, ils peuvent être petits. De manière, s'il y a il y a beaucoup de monde à table, on les fait plus grands. Mais il faut qu'il y ait la place pour cela. Alors, déjà, c'est une approche. À quoi on pense? On met ces 12 pains, bien sûr. À quoi ça correspond? Bon, n'oublions pas que dans le Mishkan et après dans le Bet HaMikdash, il y avait une table spéciale sur laquelle étaient empilés 12 pains, 6 et 6, avec une forme spéciale, une taille spéciale. Et cette table avait des dimensions particulières. Elle avait sur sa largeur 6 tfachim, sur sa longueur 12 tfachim, c'est 48 cm et 96, puisque le tefar c'est 8 cm. Et la hauteur doit varier entre 9 et 10 tfachim. Et je voudrais vous dire que chez les Mekoubalim, c'est une table à part la table de toute la famille. Et Baba Saleh, Zichrono Livracha, avait la sienne, il avait celle également de Rabbi Yaakov Abou Hatzera qui lui était venu en héritage. Et bien sûr, ça, il faut le faire sur mesure. De toute façon, d'une manière générale, encore un détail, le Harizal dit que la table principale, la table dans laquelle on mange, doit être une table de 4 pieds, et non pas avec un pied central. Alors, je me souviens, lorsque j'ai marié mes deux premières filles, et que on devait les acheter certaines choses, et quand, à ce moment-là, les tables étaient surtout avec un pied central, j'ai demandé que non, je veux des tables, une table à 4 pieds. Donc, est-ce que je vais chercher la mode, parce qu'à un moment donné c'était rustique, après le moderne, après quelle forme de pied ou quoi, ou bien je vais surtout mettre l'accent sur ce que représente la table et à quoi elle sert. C'est-à-dire que dans notre tête, il faut la recherche, il faut qu'on pense dans chacune de nos actions, même matérielles, comment avec cela je vais servir à Kadosh Baruch Hu. C'est ça ce que nous met en garde cette paracha. Vous avez le choix, deux chemins devant vous. Celui du service d'Akadosh Baruch Hu dans tous les détails de la vie, ou celui de se laisser vivre, faire ce qu'on veut. Mais n'oublions pas, un beau jour, il y a des comptes à rendre. Et même sur terre, la bracha dépend du choix de chacun. Et je viens d'entendre encore cette semaine qu'une personne qui malheureusement n'a plus sa mère, mais son père avait divorcé de sa mère, qui était juive bien sûr, Baruch Hashem, et puis un beau jour, quand il a divorcé, il s'est mis avec une goya
Il avait une fortune colossale. Et d'un coup, sa bracha est tombée. Et quand il n'avait plus d'argent, la Goya lui a dit bye bye. Ça veut dire que Hachem, il a vu qu'il avait dépassé les limites dans sa conduite. Et il a eu la chance que dans ce monde, déjà, il a reçu, comment dire, une petite leçon. Parce qu'il aura des contrefaçons contraintes sur chaque chose. Et chacun de nous, c'est avant Rosh Hashanah, c'est cette remise en question de chacun de nous. Donc je reviens d'abord, je n'avais pas fini le sujet de ces 12 pains, qu'il y en avait 12 au Beth Amikdash, mais ils sont à l'encontre des. Lorsque nous parlons des 13 formes de miséricorde, lorsque nous récitons Hachem, Hachem, El Rahum Vehanun Erech Apaim Verav Hesed Vehemet, Notzer Hesed La Lafim, Notzer Avon Vafesha Vechata Venake, nous avons les 13 principes de miséricorde qui vont être récités 26 fois Yom Kippour, et les 12 pains que nous mettons sur la table le vendredi soir, le samedi pour la première Seouda et l'après-midi pour la Seouda chez les chiites, sont à l'encontre de la source de ces 12 pains, vient de la Rahamim, de la miséricorde, qui vient d'un niveau qui s'appelle dans la Kabbalah Arichanpin, c'est de là-bas que ça vient, et que représentent ces pains. Tout simplement, la question que vous allez tous poser, mais il y a 13 niveaux de miséricorde, nous avons 12 pains. Et en fait, j'ai trouvé la réponse dans le Zohar, qui, lorsque le Zohar dit que lorsque Yaakov rassemble ses 12 enfants et il fait venir la Shekhina qui va compléter aux 13, il fait allusion aux 13 niveaux de miséricorde. Sachez que le Zohar dit par ailleurs que la table sur laquelle ces pains sont posés, ça représente la Shekhina. Donc déjà, si la table représente la Shekhina, vous pouvez comprendre qu'elle a 4 pieds qui représentent Chochma, Bina et le Da'at qui est composé de 2. Ce n'est pas par hasard qu'il y a ces 4 pieds. Donc il y a même dans la matière, on peut la sanctifier. Et c'est pour ça que c'est marqué que lorsqu'on prépare la table de Shabbat, de mettre les mains dessus et de dire « Zashulchan asher lifnei Adonai ». En disant cette phrase, on va faire descendre de la lumière sur cette table. Donc la table de Shabbat, comment on la prépare, c'est toute une vie qui doit changer chez nous, où on doit mettre notre concentration dans l'application des détails des mitzvot, de penser que même ce qui est de la matière est fait avec un sens profond. Au moment du kiddush, je sais que je dois mettre quelques gouttes d'eau dans le vin, c'est pour adoucir le din, sauf celui de l'Avdala. Et ainsi de suite. Donc je vais continuer à faire les mitzvot. Le soir de Rosh Hashanah, quand je vais demander par la pomme dans le miel une demande, c'est pas que je pensais qu'à mon corps et à mon aisance, mais je pensais à ce que je puisse mieux servir Hachem avec, si j'ai les conditions qu'il me faut. Et c'est dans toutes les demandes, ça va être mon esprit va être concentré de pouvoir mieux servir Hachem si j'obtiens tout ce que je demande à Kadosh Baruch Hu. C'est ça ce qui doit nous faire. C'est un choix qu'on a devant nous. On est tous là devant Hachem, on a deux chemins devant nous. Changer notre vie, et on a un exemple, celui qui a su choisir toute sa vie, le service d'Hachem avec son cœur, le Rav Sitruk Zichrono Livracha, savoir faire le même choix. C'est ça la réussite de la vie, c'est de savoir prendre notre vie en main et de savoir qu'une chose, notre corps et notre argent, c'est Hachem qui s'en occupe et il nous donnera ce qu'on a besoin. Comme il pense qu'il est bien pour nous, on a le droit de lui réclamer, mais ce n'est pas ça le but de notre vie. On doit réclamer pour pouvoir mieux le servir. Mais avoir l'aisance, l'esprit tranquille, la bonne santé pour mieux servir Hachem. Mais on doit savoir faire ce choix. Et c'est ça ce que cette paracha vient nous montrer, nous enseigner. C'est qu'on fasse, dans tous les détails de notre vie, le bon choix. Et que, Be'ezrat Hachem, pensez qu'il y a tous ceux qui ont la possibilité. Il y a beaucoup de familles qui ont besoin de votre aide. Alors pensez à les aider. Si vous pouvez nous choisir comme intermédiaire, Baruch Hashem, on distribue, cette semaine nous avons distribué des quantités
Baruch Hashem, importante de choses pour les fêtes. Croyez-moi que ça a été acheté à crédit et qu'une bonne partie n'est pas encore payée et n'avons pas encore d'où les payer et que c'est encore une mitza supplémentaire avant Rosh Hashanah. Que Be'ezrat Hashem, HaKadosh Baruch Hu, Amen, pour tout l'âme Israël, Shana Tovum Vorechet, Tikadvu, Vetahatmu, Lechayim, Tovim, Ul Shalom, Amen, Ve'amen. Amen.